Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? Bienvenue sur Union Suban, votre chaîne préférée. Mais que se passe-t-il sur les réseaux sociaux? Mais qu'est-ce que les gens font là-bas? Mes frères et sœurs, si vous pensez que les réseaux sociaux, c'est pas réel et que c'est juste du jeu, vous vous trompez. Parce que chaque chose que vous dites là-bas se retournera à un moment donné contre vous-même. Il faut faire très attention. Il faut faire vraiment très attention. Même sur les réseaux sociaux, nous sommes suivis par des agents secrets. Des gens qui travaillent même dans le lieu le plus secret de la sécurité du monde qui vous observent. Et tout ce que vous faites peut être réutilisé contre vous. Faites très attention. Ce qui se passe sur les réseaux ces temps-ci, c'est que les gens passent le temps à s'insulter, à prononcer des menaces. D'autres me vont plus loin pour faire sortir des armes à feu et effrayer les gens. Ce qui est sûr, c'est que désormais, les gens de la sécurité, de toute façon, ils sont là depuis très longtemps, mais désormais, ils ont décidé d'entrer sur le terrain. D'après les informations que nous avons découvert, c'est ça. Ça veut dire que tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux vont vous trouver chez vous à la maison. Donc, quand vous avez votre portable, sachez ce que vous faites avec. Sachez ce que vous dites. Ça, c'est un conseil d'amis. Si vous pensez que c'est de la blague, regardez ça. Regardez bien. Bon, regardez ici. On dit selon un communiqué de la Direction Générale de la Police Nationale Ivoirienne, un militant qui a été interpellé pour une image de lui tenant une arme qu'il avait postée sur les réseaux sociaux. Cette image était accompagnée d'une vidéo. Voici qu'il y avait. Voici ce qu'il avait dit. Il avait dit, l'un n'est plus à la rigolade dans le coupé décalé. Il faut être prêt. On est ensemble, c'est la famille. En fait, quand cette personne a présenté son âme dans une vidéo, juste pour informer ses gars que il y a vraiment des choses terribles qui ont lieu dans leur game. Donc, eux doivent se préparer. Et ça va jusqu'aux ça. On dit plus loin. On dit si oui, le nom de l'arme, NDLR, ça ne connaît pas. Bon, tout ça, ça fait partie des games. I love you. Ce sont, il me semble que ce sont ces déclarations. On dit traduction pour les fans. On dit c'est Star qui est en rivalité permanente avec d'autres artistes du même groupe. Voilà, à l'ensemble a-t-il choisi de passer un message à ceux-ci. En tout cas, c'est ainsi que le comprend la police. Bon. Plus loin, on dit quoi? Selon le communiqué, c'est suite à cette publication que l'artiste, dès son retour de l'extérieur, a été interpellé et interrogé par les services de police. Même si le dit communiqué indique que cet artiste a été relaxé. Il poursuit en signifiant que l'affaire est désormais devant la justice ivoirienne. Il répondra de ses actes devant les tribunaux sur réquisition du parquet. Est-ce que cette information est vraie? Est-ce que cette information est fausse? Ce que je peux vous dire, c'est que vous devez faire attention à ce que vous faites.
Par exemple, nous avons vu une vidéo où on a vu une personne qui était allée braquer une femme. Elle allait faire un truc, prendre de la jambe, c'était un truc comme un braquage. Et pour fêter cela, vous savez ce qu'elle avait? Elle a décidé de se filmer et de poster cela sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Son braquage avait marché, on ne devait pas l'attraper. On ne savait même pas qui avait fait ça, tellement elle avait bien tourné la chose. Mais quand elle allait poster cette histoire sur les réseaux sociaux, tout de suite, la police est venue la saisir à la maison chez elle. Ça n'a même pas fait même 15 minutes. Tout de suite, ils sont venus l'attraper. Et elle est en prison actuellement. Juste pour faire le père. Juste pour être vu. Juste pour attirer le regard des gens. Juste pour impressionner les gens. Voici ce que les gens font sur les réseaux sociaux. Regardez ça. Dès que la personne se portable, comme ici, automatiquement, elle va se mettre à envoyer n'importe quoi, tout et n'importe quoi sur Internet. Mais la justice ici est là. Eux, ils regardent tout ce que vous faites. Et vos vidéos deviennent des preuves contre vous. Regardez encore. Sur les réseaux sociaux, les gens font du commerce. Par exemple, voici une artiste qui vend son CD, son nouvel album. Elle fait la publicité de son nouvel album. Une autre qui fait un peu la publicité de ses make-up. Et une troisième encore qui joue de sa personnalité pour pouvoir influencer les inscrits influenceuses. Et ici, on voit encore que ça continue. En général, c'est ce qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Les femmes qui expriment leur féminité, elles nous montrent qu'elles ont des seins, elles ont des fesses. Oh! Moi, mais c'est à cause de tout ça, mais je vais plus me sur Instagram. C'est à cause des fesses et des seins. Regardez. Vous pensez que c'est de la blague. Regardez. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, on peut faire la publicité de nos produits, de tout ce que nous avons. Comme vous savez, comme ici, pour faire la publicité de nos produits. Mais aussi, les enfants, nous sommes exposés à toutes sortes de choses. Les trucs, les filles, nous montrent des seins à l'heure de journée. Et tous ceux qui vont liker là, l'image, ce seront des gens qui seront aimés les seins. Et si vous pensez que c'est la base, c'est réel. Regardez. Ça, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé ici. Maman a dit que cette fille voulait se faire passer pour une femme noire. Bon. Et regardez ça. C'est une très jolie femme sur les réseaux sociaux. Très jolie femme. En tout cas, aujourd'hui, quand tu es jolie, tu es dans un problème. Parce que dès que tu rencontres monsieur sur les réseaux sociaux, tu commences à tout nous montrer, tout nous révéler. Et des gens qui te soutiennent dans ça. Elle appelle même tes femmes. Ils voudront en voir plus. Au point où tu seras même prêt à leur montrer un truc qu'on appelle un sextape. Un sextape. Qu'est-ce que c'est que ça? Les gens, pour faire le buzz, pour bien se montrer, ils vont même jusqu'à se filmer en train de faire les choses et les poster. Juste pour impressionner les gens. Mais quand Dieu nous voit tous ici. Dieu nous voit tous. Et tout ce que nous faisons, c'est grave. Toi, mon frère, si tu as un problème, tu es avec quelqu'un, et que tu veux le régler, il ne voit pas sur les réseaux sociaux. En principe, là-bas, les gens vont s'amuser. Mais ce que vous voyez en amusement, ça peut se terminer à un truc pareil. Où on dit que la police générale, on dit quoi? La direction générale de la police nationale vient faire. Bon, même si cette information n'est pas vraie, c'est pas une bonne affaire. C'est pas une bonne affaire. Nous l'avons tout fait pour ne pas citer le nom. Dis le nom.
juste la capture qu'elle a, j'ai bien pour nous montrer que c'est possible et que nous devons vraiment faire attention. Faire attention à ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Même sur les réseaux sociaux, il y a des démons qui sont là-bas. Quand les démons arrivent, voilà, ces démons-là se maquillent bien la face. Ces démons-là sont jolis, très sexy. Rien que pour toi. Et toi, tu peux aller là-bas t'exposer. Et les gens même vont même sur les réseaux sociaux pour communiquer avec d'autres personnes, même en privé. Et ces personnes-là décident de se mettre nues. Juste pour impressionner la personne qui est devant toi. C'est comme un homme. Pour communiquer avec une femme. Les deux étaient sur les réseaux sociaux de privé. Et puis, à un moment donné, la femme lui a donné, la femme lui a donné, c'est lui. Lui aussi s'est mis à poil. Il a monté même sa partie intime. Maintenant, au moment où il va s'asseoir, la femme, elle aussi, va se lever. Elle se tourne sur elle. Elle devient une femme noire. Non, un garçon noir, bien noir. Et quand elle se retourne encore, elle devient maintenant un démon. C'était un démon qui était devant le gars. Il s'est exposé devant la haine. Le démon, dès qu'il a vu, s'est dit ouh. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas, qu'est-ce qu'il y a? Le démon lui a dit, on t'a eu. C'est fini pour toi. Depuis ce jour, ce gars a commencé à voir le démon dans son sommeil. Même si sa vie, ce démon-là vient coucher avec lui. Et au lieu que lui, il est l'homme, au lieu que ce soit lui qui va vers cette personne, c'est maintenant le démon-là qui couche avec lui et qui est en train de le sodomiser dans son sommeil. Et il peut sentir que c'est réel. La douleur, il ressent tout. La délivrance de cette personne. Ceux du qu'on commence à se passer. Voici le danger sur les réseaux sociaux. C'est devenu un piège. C'est comme un filet où le poisson va aller se jeter. Et le poisson va aller se jeter dans le filet. Faites très attention, vous l'a dit. Si vous pensez que vous êtes la plaque, ne soyez pas sûr qu'un jour, une telle chose vient vous trouver chez vous. Qu'est-ce qu'il y a? Soyez correct. Soyez vraiment très correct dans vos commentaires, vos manières de parler aux gens. Soyez respectueux. C'est pour votre bien, c'est pas pour faire plaisir aux gens, mais c'est pour toi-même. Quand tu es une personne respectueuse, c'est vrai. Celui que tu as respecté, tu vas se sentir honoré. Allô, non mais alors toi, on ne respecte pas, tu vas te répéter Dieu merci. Mais toi, le respect que tu as donné aux autres, tu vas le recevoir aussi. Même si tu ne reçois pas, laisse tomber. Ça va t'aider, ça va te sauver la vie. Mais donc, si les gens te combattent, oh, tu ne leur as rien fait. Sur le péché, laisse-les entre les mains de Dieu. Dieu ce sera le juge entre vous. Même ici, on est dit que la police générale est venue de cette histoire. Imaginez-vous même la suite. J'espère que tout rentrera dans l'ordre. Nous tous, nous pouvons faire des erreurs et nous espérons que ça sera réglé plus vite et que on évitera de voir de telles choses. Même si le diable fera tout, même tout ce qui est possible, pour que des choses terribles se propagent encore sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est aussi à cause de nos enfants. Faites très attention. Vous allez voir une personne jolie comme ça sur les réseaux sociaux. Et à un moment donné, elle a dit non, c'est que sur moi, c'est pas tout ça. Il faut que je me change les seins, je me change les fesses, ou ceci, cela. Juste parce que tu étais influencé par des gens que tu vois. Fais attention à ce que tu vois à la télévision. C'est pas tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux qui sont vrais. Il y a parfois du fait. Et toutes les personnes qui sont dans les problèmes à avoir fait des choses terribles comme de changer les seins ou les fesses, toutes les conséquences de ces actions-là, elles ne vont pas vous dire après que c'est un problème.
elles se présenteront toujours à vous comme des personnes qui vont bien à la peau. Mais en réalité, toutes les personnes qui étaient des hommes sont devenues des femmes, ou qui étaient des femmes sont devenues des hommes, pour faire des transformations physiques, toutes ces personnes-là, en réalité, elles n'ont pas la joie. Même certaines regrettent. Elles avaient cru trouver le bonheur là-dedans, parce qu'elles ont vu à la télévision, ou bien sur les réseaux sociaux. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Faites très attention, ma frère, ça! Faites très attention! Ne cherchez pas à impressionner les gens, Le problème des gens sur les réseaux sociaux, c'est qu'ils cherchent à faire le buzz. Ils sont prêts à tout, à être vivus des stars, des superstars. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas la solution. Mais regardez vous-même. Est-ce qu'ils n'ont pas fait ce bien? Waouh! Qu'est-ce que c'est ça? Abonnez-vous à tuer la page pour avoir une option. Et faites vous garde, tout vous connaît. Et faites tout pour ne pas avoir de problème avec la justice. Parce que la justice que là, ça ne récolte pas du tout. Connaissez le procès plus tard. Même Dieu vous voit. Waouh, c'est extraordinaire. Mes frères et sœurs, pour ne pas manquer la prochaine vidéo, et cliquez sur s'abonner si ce n'est pas quoi faire. Et cliquez sur la cloche pour l'activer. Et si vous cliquez sur j'aime, ça nous ferait énormément plaisir. Et tous ceux qui veulent également faire des dons pour nous soutenir, en dessous de cette vidéo, dans la partie description, se trouvent toutes les informations qu'il vous faut pour faire des dons. Nous vous recommandons de faire des dons via Wesley. Waouh! Merci beaucoup.